Twisted, I'm twisted. Bon, avant tout, monsieur, nous allons la pause parler et courrier télévisé. Je vous dis, si je ne me trompe pas, c'est lundi 27 novembre 2023. Et l'initiative, ça nous prend aujourd'hui, lundi 23 novembre 2027. Et 27 novembre 2023. C'est une initiative qui a pensé aller longtemps et pour nous reboiser le pays. Et pour son projet. Il faut que nous disions tout son projet. Le projet, ça lui-même. Les gagnants Jean-Faustin depuis le Canada qui a soutenu nous pour nous réaliser pour qu'on chaîne le projet ça. Et nos projets, c'est reboisement en arbre fruitier de toute la frontière. C'est nos projets ça. Et nous avons demandé à tout haïtien conséquent qui compte ça le reboisement en Haïti, venez pour te coller ensemble avec nous. Ce n'est pas un projet cap là pour aujourd'hui, mais c'est un projet cap là pour tout le temps. Parce que nous avons pays à fin de gangoler parce qu'il n'y a pas gagné, ça aurait les vieux bois. Parce qu'il finit de couper le charbon. Mais nous-mêmes, comme agents de SAP, nous prenons responsabilité nous pour nous reboiser le pays pour que le pays capable de retenir les gens longtemps. Parce que nous remarquons que si nous ne faisons pas ça, c'est dans le trou qui est tombé. Je vous dis, nous avons Jean-Faustin du Canada qui a soutenu nous et dans le projet ça. Et non seulement, ce n'est pas Jean-Faustin seulement pour qui soutenir nous. Il faut que tout le monde mette maintenant patte là, et diaspora et haïtiens qui dans le département, c'est tout notre 10 et 10 départements en tout, demandez pour soutenir nous pour que le projet lui-même soit capable de commencer. Parce que chaque fois que vous regardez les pays, c'est l'eau de couler dans les yeux parce que l'autre yeux, l'autre bon pour voisin, où elle fait noir avec les bois, mais pas bon ici à le regarder en Haïti. Et où est, c'est le ciel là qui va regarder, ça va les dignages là, va regarder. Mais en Haïti, il faut qu'il y ait des gens qui sont là pour voir la situation qui nous vivons là-dedans pour nous reconstruire le pays. Et là, nous disons que nous ce n'est pas dans la bouche. Et nous commençons l'initiative aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, non. C'est un projet qui est là jusqu'à ce que nous nous quittions ce bout de ça. Et même si nous nous quittons, il y a des gens qui viennent faire continuité. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous prenons l'initiative pour nous reboiser le pays. Et c'est toute frontière là. Et l'enfin sorti dans la frontière, nous allons de l'autre côté pour nous reboiser le pays parce que planter pieds mango, c'est bon pour nous. Je dis à nous, nous allons planter 200 pieds mango, qui c'est mangue baptiste, douce, roi douce, et nous avons quelques pieds mangue français tout. Nous allons planter, nous allons planter après-midi. Et nous allons demander à tout le monde qui a mango, nous allons chercher plusieurs agronomes. Nous allons chercher ça, le mangue français là, on sait qui côté 15 pieds, mais nous allons chercher toujours pour nous joindre plus mango pour nous capables de reboiser le pays en arbre. Pour payer à retourner, chanter longtemps et d'avoir l'empêché de couper bois pour faire charbon. Parce que si vous pays arrivé dans l'état, c'est parce que quand tout le monde a coupé le pied bois pour faire charbon, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Le pays a venu de gangouler par un pied bois pour mettre eux-mêmes capables de voler, ou les oiseaux sont capables de venir pied bois pour poser. Je dis à nous-mêmes, en tant qu'agents de SAP, nous prenons responsabilité nous pour nous lancer le projet ça pour le monde qui a gardé nous là, faire ça, nous devons faire pour nous porter, pour nous gagner. Parce que si nous regardons les bois qui sont achetés là, je vais acheter à 350 gouttes dans ma agronomie. Je vais dire acheter 200 pieds bois à 350 gouttes pour mon temps. Mais nous pouvons avoir un an, mais nous avons un Jean-Faustin qui a soutenu nous en attendant. Et que le projet est lui-même, il a soutenu nous. Et nous pouvons mettre le projet à même, c'est lui qui parle. Et toute initiative qui vient pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer, reboiser le pays, même si nous avons longtemps. Ok, nous parlons de un projet, c'est un bail qui a commencé. Nous-mêmes, agents de SAP, c'est nous qui sommes responsables du projet parce que c'est nous-mêmes qui sommes sur le territoire, ou bien le territoire frontière. Nous avons commencé à combien? Oui, je veux dire, nous avons 200 pieds de mango planté là et nous avons continué à planter. 200 pieds de mango planté là, ce n'est pas seulement aujourd'hui, nous avons continué à planter jusqu'à ce que nous finissions de connaître toute frontière la net et nous voulons nous aussi rigoureusement en nab de toute la frontière. La République dominicaine et la République d'Haïti. Croiser toute frontière à la lettre pour continuer à planter des bois. Et après, nous sommes dans la frontière, nous prenons un mangue, nous prenons un platon pour continuer à planter des mangos, pour nous joindre, pour manger. Parce que les mangos sont fruits liés. Parce que nous avons regardé les mâles dans la zone de l'Andé, il y a des gens qui disent que ces mangos sont bouillis pour manger. Les pagans, ça a eu les patates, ça a eu les maniocs, ça a eu les diri pagans. Dans ta mango, ces mangos sont bouillis pour manger.
dans le sens ça nous dit faut que tout pays arrive en ab pour nous capable de foutre pour manger. Dans le projet ça sur frontière, est-ce que c'est seulement qu'on a planté ou bien nous avons un projet pour nous venir à l'autre plante tant que banane soit avec l'âme véritable? Bon, si vous regardez l'espace là, c'est un espace et nous gagnons capable de planter en banane. Si c'est le pied bois qu'on a planté, le pas bon pour nous planter tout de pour dire pour la population qui mange pour manger, c'est pour ça qu'on a lui-même la construit. C'est pour nous reboiser le pays hein, et puis qu'il dit allez, faut que nous voyons comment qu'il va faire pour replanter. Diri, maïs, pois, tout manger, etc. C'est ça qui fait le canal s'abattre là aujourd'hui. Les nous sommes dans les frontières, est-ce que nous avons l'autre zone qui est stratégique pour continuer le projet? Oui, nous déjà dit ça déjà. C'est tout pays à net, la reboiser en bois. Il faut que nous reboiser le pays en nab. En fruitier, c'est tout fruitier parce que c'est important pour nous. Fruitier, c'est eux qui nous rejoignent, ils ne peuvent pas venir manger pour manger. Nous sommes tous ça. Ils bouillent, ils mangent. Les gens ont vraiment voulu manger, s'arrêter ou bien. Ça veut dire nous-mêmes, comme agent BESAP, nous prenons l'initiative ça pour nous reboiser le pays en pied-bois, en fritier, pour la population capable de souffrir. Et nous disons que nous avons vu le pied-bois, ni la nuit, ni la journée, nous avons posé pour être capable de vivre dans des grues à l'arrivée, pour être capable de donner pour la population de fruits pour manger. Le message. Bon, le message n'a pas lancé, nous demandons à tout le monde, et surtout agents, et aux cinq qui. Bah, participation déjà pour aider nous soutenir mouvement ça projet ça nous demander tout l'autre monde qui connaît l'importance pays là si tout diaspora nous demander venir porter coller avec nous pour nous rebraser pays ensemble c'est nous pour remercier nous monsieur. Ouais et pour qui ta remet et relé nous capable relé nous dans 43 26 38 65 si vous monde avait contacté nous vous besoin plus d'informations comment pied bois va planter pour relé nous dans 43 26 38 65. Ça, c'est le numéro de table, quel que soit l'heure où il est, mais on va. Merci, monsieur. Mettez plus de bois et pour deux, faire plus. Vous pas vous parler. Moi, je vous montre là, je vous dis. Parce que quand l'été, je vous dis, 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 Joël, venez là. Allô, il y a Willy, il y a Willy, il y a la paix, il y a Il manque toujours.
Ok. Belle bagarre. Ça nous passe plus autre pas. Ça mais autre pas. C'est bon. 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 C'est Je vais te dire. Thank you.